Ouais, survivant, bienvenue sur VLFR.gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur notre face cachée de cette nouvelle mise à jour Aircraft. Donc, on n'a pas eu un seul nouvel Aircraft, on en a eu deux. On a eu le FA-1 Spectre. Donc, je vous ai fait une petite vidéo via le PTR où on l'a déjà maxé niveau 140. Et on a le FHS Arc CV1, donc le porte-avions. C'est ça en fait qui va trimballer tous vos aircraft. Donc en gros, on a 4 aircraft maintenant, on en a 2 supplémentaires, ce qui vous permet d'avoir 4 aircraft sur chaque marche. Donc vous avez votre marche 1 avec l'hélicoptère par exemple, la marche 2 avec l'avion, la marche 3 avec le Spectre F1, et vous avez votre quatrième marche avec le FHS Arc CV. Donc pareil, celui-là, il va falloir l'augmenter, l'améliorer, tout comme les autres aircraft. Donc, quand je vous disais déjà que j'avais une mauvaise nouvelle, excusez-moi, avec le nouveau aircraft, eh ben on en a deux à monter, deux sûrement à monter jusqu'au niveau 140. J'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir le maxer sur le PTR. Je vous ferai une vidéo incessamment sous peu quand on l'aura maxé. On a deux skills différents. Donc par exemple, le premier qui va nous apporter 2% de ratio pour les blessés ennemis. Donc c'est pas mal à pouvoir monter, on va pouvoir monter ça assez facilement. Mais le problème, monter celui-là ou monter celui-là, je ne saurais pas encore vous dire. Il va vraiment falloir que je teste tout ça sur le PTR. On verra parce que c'est quand même super intéressant. On voit le skill niveau 10, on a 200% de dommages supplémentaires. Donc non, ça va quand même apporter énormément. À voir si c'est pas mieux de monter celui-là ou essayer de monter les deux en même temps. On va voir. Dès que je récupère le nécessaire pour pouvoir aller le maxer, on va aller maxer. On va voir un petit peu tout ce que ça va pouvoir nous apporter. Par contre, lui ne se met pas dans l'aircraft. Donc je vois pas les statistiques vraiment ce que ça va nous apporter. Donc est-ce que ça nous apporte des statistiques ou ça nous apporte simplement le bonus? Là, on voit qu'on peut récupérer des rallyes infanterie damage. Là, on va pouvoir récupérer de la santé. Donc, c'est rallye santé, rallye dégâts. À voir ce que ça donne. Je vous refais une vidéo au plus vite quand il sera maxé sur le PTR. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je vienne vous brûler. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, survivants!